Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une séance d'abdos à l'aide du Swiss Ball. On va faire trois exercices, les trois sur le ballon. Le fonctionnement va être très simple, 20 répétitions par exercice, 4 séries avec 1 minute de récupération entre les séries. Je vais vous expliquer les exercices au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, il y aura aussi des adaptations pour que tout le monde puisse les faire. L'idée c'est d'aller à votre rythme. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour faire ces 4 séries, mais mettez le temps qu'il faut. Prenez pas trop de récupération, mais l'idée c'est que chacun le fasse à son rythme. Il y en a peut-être qui vont aller plus vite que moi et d'autres moins vite que moi. Peu importe, premier exercice, ça sera le roll out. On part avec une belle planche, main sur le ballon. On va venir avancer, ouvrir les mains et refermer. 20 comme ça. Si c'est trop compliqué, on peut le faire en étant sur les genoux. Et sur les genoux, on va plier un petit peu les bras pour faire rouler sur les avant-bras. Sinon, bras tendus, on va rouler comme ça sur les genoux. Donc 6 et debout, par contre, bien aligné, on va aller surtout sur les poignets et on revient. Le corps lui reste parfaitement aligné. Cherchez pas à aller vite, mais à bien contrôler le mouvement. Et 20. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer assis sur le ballon. Pour les crunchs, on va mettre avancer un petit peu le bassin pour avoir le bas du dos sur le ballon. Donc bien s'allonger, main sur les tempes ou derrière la tête pour supporter la tête. Mais il ne faut pas être tenté de tirer sur la nuque. Et à la force des abdos, on va venir expirer en contractant les abdos pour remonter. Donc 20 répétitions comme ça. 5. 6. Expirez la montée en rentrant le ventre. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19 et 20. Troisième et dernier exercice. Cette fois, on va passer en position de pompe avec les pieds sur le ballon, plutôt les tibias même. Dans l'idéal, on va venir ramener les genoux en les ramenant sur le côté. D'un côté, puis de l'autre, pile de chaque côté. Si c'est trop difficile, on va ramener les genoux tout droit. Sur les côtés. Un dernier. Ok. Pour relâcher, on prend une minute de pause et on repart sur la deuxième série. Prenez le temps de souffler. Si pour vous c'est trop facile, coupez la récupération, enchaînez tout de suite, il n'y a aucun problème pour ça. Un petit peu plus de 30 secondes encore avant de repartir. On va en profiter. C'est trois exercices assez difficiles quand même. La récupération est nécessaire. Normalement, ça y est, vous sentez bien les abdos déjà sur la fin de cette première série. Il en reste 3. Vous allez pouvoir tranquillement vous mettre en place. On repart dans 10 secondes. On repart. Donc, roll out. Vous pouvez faire donc bras tendus ou aussi coude sur le ballon. Ça va être un petit peu plus facile, ça va limiter l'amplitude. Et même principe sur les genoux, si vous voulez encore le simplifier. Ou alors, bras tendus, on vient avancer. Le corps va descendre sur les bras tendus.
ou alors sur les pieds. Allez, le plus loin possible, mais revenez avant de tomber. Ok, relâchez. Une fois que les bras sont faits, on repasse sur les crunchs, assis sur le ballon. Et on remonte à la force des abdos. On contrôle la descente aussi. L'avantage du ballon, c'est qu'on va prendre un petit peu plus d'amplitude, mais il ne faut pas venir rebondir sur le ballon. Le troisième, s'il est vraiment trop compliqué avec le ballon, vous n'arrivez pas à être stable, on peut le faire au sol en ramenant le genou en croisant vers le coude opposé. Ou alors avec le ballon, les deux jambes vont suivre le même mouvement, les tibias sur le ballon et on tire d'un côté puis de l'autre. 4, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième série faite, une petite minute de récupération. On a déjà fait la moitié, plus que deux tours. Et on aura fini cette séance spéciale abdos avec le Swiss ball. À part le troisième exercice, ça marche aussi avec un bosu si vous avez, c'est les ballons coupés en deux. Encore 20 secondes. La moitié est passée. Enfin, pile la moitié. On aura fait un peu plus que la moitié dans une répétition. On repart. Troisième série, 20, roll out. L'amplitude peut se réduire au fil des séries, aucun problème. Il vaut mieux la réduire que de s'écrouler parce qu'on va trop loin. Et 20. Ensuite, troisième série sur les crunchs. On s'assoit, on avance un petit peu le bassin pour avoir le bas du dos sur le ballon. On s'allonge, ensuite bras sur les épaules ou sur les tempes ou sous la tête pour la soutenir, mais on ne vient pas tirer dessus. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous pouvez vous relever. Troisième et dernier exercice de cette série. Tibia sur le ballon. Et donc les deux options sont on ramène les genoux droits. 5, 6, soit en croisant. Ans. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez, une minute pour souffler avant la dernière série.
la technique du lacet pour gagner un peu de temps. Non, c'est pas vrai, on va prendre qu'une minute. C'est une séance assez courte, mais très efficace. Un petit peu plus de 30 secondes encore. 60 répétitions et on a fini. Après, on pourra rester tranquillement assis sur notre ballon. Allez, quatrième et dernière série. On termine 20 répétitions par mouvement. Plusieurs options, mais vu que c'est la dernière, c'est l'occasion de prendre plus dur. Si vous étiez sur le roll-out sur les genoux, on peut passer roll-out sur les coudes et les pieds. Ou alors, si vous étiez sur celui coude et pied, passez sur main et pied. 9, 10, 18, 19 et 20. Ensuite, les 20 crunch. 2, 3, 4, 5, à la force des abdos, 6, 7, 8, soufflez et rentrez grand en montant, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. On peut se relever. Dernier exercice. 20 répétitions, 10 de chaque côté, tibia sur le ballon et on revient en croisant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo, si vous avez fini, vous pouvez souffler. S'il vous reste quelques répétitions, prenez le temps de les faire à votre rythme, d'aller jusqu'au bout de la séance. J'espère que la séance vous a plu. C'était une séance assez courte mais très efficace. N'hésitez pas à la refaire ou à la partager. Maintenant, vous pouvez enchaîner soit avec une séance d'étirement, il y en a une sur cette chaîne, ou alors choisir une autre séance d'entraînement si vous voulez continuer. Merci d'avoir fait cette séance avec moi, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'exercice.